Bonjour tout le monde, c'est Maddy, bienvenue dans ce tirage Open Mind. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, hein, parce que je fais ce tirage à la suite des autres. Aujourd'hui, on va parler de Céline Dion. Voilà, je sais que certains d'entre vous se posent la question de savoir un petit peu ce qui se passe pour elle, sachant qu'elle a beaucoup beaucoup changé physiquement depuis plusieurs mois. Elle est extrêmement amaigrie. Voilà, donc on se doute bien qu'elle est malade. Je ne sais pas si elle a dit ce qu'elle avait exactement, mais on va essayer de voir un petit peu. Alors, déjà, savoir si elle va aller mieux et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits qui courent à son sujet. Pourquoi? Bah parce qu'elle a fait un clip qui est quand même assez controversé, hein, vous irez regarder, avec les enfants, le mélange des genres. Enfin, ça fait beaucoup jaser, ce genre de choses. Ça correspond pas vraiment à l'image que j'ai de Céline Dion, qui m'a toujours donné l'impression d'être quelqu'un très bien comme il faut, si vous voulez, hein, aimant les enfants, voilà, bien dans sa tête, bien dans sa peau, enfin bon, assez clean. Et là, quand même, le dernier clip qu'elle a fait, c'est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. Hein, bon, donc il y a des bruits qui courent. C'est un peu décevant, vraiment, si elle fait partie de toute la clique que l'on connaît, n'est-ce pas? Ce serait vraiment décevant. Mais bon, n'allons pas trop vite. Alors, qu'est-ce que je peux... Ah, il y a une carte qui s'est mélangée aux autres. Qu'est-ce que je peux dire ou qu'est-ce que le jeu peut me dire à propos de l'état de Céline Dion? On va regarder ce qui sort. Donc, je vais prendre Mythos aujourd'hui, qui est un jeu assez ouvert quand même. Alors, il y a des questions de quelque chose qui n'a pas marché et de métamorphose. Hein, vous voyez, il y a le caméléon. Le caméléon, il change de couleur. Alors, métamorphose, c'est peut-être pas la bonne, le bon mot. Ce que j'avais en tête, c'est il change de couleur, quoi. Donc, changement d'apparence. Oui, il y a bien un changement d'apparence. Et là, qui est mauvais, puisqu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc, ça veut dire que déjà, que son état à Céline Dion, il est effectivement brisé. Il y a quelque chose qui est brisé, là. Bon. Ok, on va essayer d'aller plus dans le détail. Alors, par rapport à Céline, il ne faut pas que je tire trop de cartes non plus parce que j'en ai pas énormément. Après, ça va me dire n'importe quoi. Donc, on va regarder 4, hein, que 4 cartes. Voilà, donc l'état de Céline Dion. Alors, il y a des choses ici, le tambour. Ah, des expérimentations et un choix à faire. Bon, alors ça me fait penser quand même aux drogues, hein. Vous savez, les expériences que l'on fait, les rats de laboratoire. Bon, il y a des choses qu'elle va annoncer ici, hein. Elle va faire une annonce. Alors, il est possible qu'elle ait déjà fait. J'ai pas été regardée, franchement, hein. Mais il y a des annonces qui vont être faites. Hein. Certainement par rapport à son état de santé. Ça fait penser à un bulletin de santé, ça. Mais vous voyez que c'est un langage codé. C'est comme ça, en fait. Hein. C'est un langage codé. Donc, ce sera peut-être pas clair. Ou alors, il y a des choses qui sont cachées. Enfin, bref, c'est bizarre. Mais en tout cas, là, il y a des expériences qui ont été faites. Et là, il y a un choix à faire. Donc, comme si elle avait pris en fait une direction qui a conduit à ça. Très curieux. Bon, alors, je vais quand même remettre des cartes sur certaines, notamment sur les deux souris, là. Parce que ça, c'est bizarre. Hein. Est-ce qu'elle a pris des trucs? Et là, il y avait vraiment un choix à faire. Bon, les annonces, on va laisser de côté. Alors, il y a un fossé qui s'est creusé ici. Et là, il y a... Ah ouais, ça c'est curieux. On a été voir le serpent de mer. Le serpent de mer. Alors là, vraiment, je suis en train de vous sortir des trucs. Le serpent de mer, c'est un dragon, donc. Mais c'est un animal qui est extrêmement puissant. Et généralement, cette carte-là, c'est quand le pêcheur va demander de l'aide au dragon. Donc ça veut dire aussi qu'elle a besoin d'aide et qu'elle est en train de chercher de l'aide auprès de personnes qui peuvent l'aider et qui sont puissantes, hein, voire un peu mystiques ou qui ont des connaissances particulières. Voilà, bon, des marabouts, enfin j'en sais rien, enfin un truc comme ça, quoi. Un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi, qui ont des connaissances vraiment spécifiques pour l'aider. Alors le fossé qui se creuse ici, je ne sais pas trop comment le comprendre. Sais pas pourquoi j'ai une carte comme ça là. C'est marrant, ça me fait penser aussi, c'est comme si elle était observée aussi. Hein, il y a quelqu'un qui regarde.
Ou ça veut dire aussi qu'elle a franchi un fossé. Ah, il y a quand même une protection. Il y a des choses bizarres. Si vous voulez, la licorne, c'est pour ça la corne de la licorne. Vous savez, la corne de la licorne qui est réputée pas en mythologie, mais dans les contes de légendes et légendes et tout ça. On parle toujours de la corne de licorne qui est réputée pour faire des miracles, pour la guérison. C'est bizarre. Ça fait penser à des trucs qu'elle aurait pris quand même, mais pour aller mieux. Ou alors elle va essayer de prendre des trucs pour aller mieux. Mais j'ai l'impression que le fossé va se creuser. Je crois que j'ai changé de jeu pour voir ce que ça peut être. Bon, là, les effets d'annonce, on va quand même en mettre une carte dessus. Il y a une annonce qui va vraiment être faite, hein. Enfin, ouais, mais c'est pas vrai. Enfin, là, il y a un secret, là. C'est caché, hein. On va annoncer des choses qui ne sont pas vraies, hein. C'est très nébuleux, en fait. Donc, il ne faudra pas croire ce qui va être annoncé. Il y a autre chose. Bon. Mais elle va bien annoncer quelque chose. Ou alors, elle a déjà dit quelque chose. Alors, au niveau de ces trucs-là, parce qu'il y a ça sent les expérimentations, tout ça. Ça sent les expérimentations. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors. Là, en fait, quelque chose qui fait mal ou qui pique. Hein, la rose avec les épines. C'est pas des belles choses. Moi, ça fait penser, vous savez, pour la rose, c'est pour être belle. Donc, je pense qu'elle a dû prendre des trucs pour être belle. Ça fait penser éventuellement aux piquures. Vous voyez, il y a les épines. Donc, elle s'est fait injecter quelque chose. Il y a des piqûres là. Mais alors, avec le loup, c'est pas quelque chose de positif. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va poser la question. Est-ce qu'elle a pris, par exemple, des substances pour être plus jeune? Ah, bon, il y a le Botox qu'on connaît. Mais là, c'est pas vraiment l'effet qu'on voit. Au contraire, puisque les Botox, ça arrondit le visage. Ça devient, en fait, plus enflé, hein, pour combler les rides, etc. Enfin, c'est ça, le Botox. Mais là, c'est l'inverse. Elle est complètement décharnée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder. Est-ce que c'est plutôt quelque chose pour être plus jeune? On va voir. Oui, voyez, regardez, elle a bien pris quelque chose, hein. Il y a le flacon qui sort. Bon. Donc, elle a pris quelque chose. Alors, est-ce que c'est pour effectivement être plus belle? Qu'est-ce que c'est que ce qu'elle a pris? Alors, il y a une espèce de labyrinthe. Donc, en fait, ce qu'elle a pris, en plus, elle l'a mis dans un piège dont elle ne sort plus. Hein, là, on ne sort plus, on tourne en rond, là. Bon, moi je dirais qu'elle a pris des substances bizarres, bizarroïdes, hein, avec la corne de la licorne ici, et puis le dragon. Mais ce ne sont pas des bonnes choses. Donc ça veut dire déjà, à la base, ce que le jeu me dit, c'est que ce n'est pas une maladie naturelle. On aurait eu, par exemple, l'image du roi qui est couché dans son lit, ça aurait été une maladie. Alors que là, c'est pas une maladie, on va dire, comme un cancer ou genre de choses. C'est plutôt quelque chose qui a été induit, pardon, à la suite de quelque chose qu'elle a pris et qui pourrait être éventuellement de l'ordre du médicament miracle, hein, un petit peu comme ça, hein. Il y a vraiment la notion de beauté ici. Bon, alors est-ce qu'on peut avoir d'autres choses? Ouais, il y a la lumière qui va être faite, hein. On va le savoir malgré tout. Et ça va entraîner, ma foi, des controverses. C'est bizarre. On va le savoir. Mais le glaive, c'est pas bon, hein. C'est que là, ça va vraiment entraîner des bagarres ou des conflits. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Je sais pas si le jeu peut me répondre. Alors, un imaginaire. Donc, on lui a vendu du rêve, quoi. Hein, je pense qu'on lui a dit que ça devait améliorer son apparence, par exemple, parce que c'est toujours la rose, mais que finalement c'était un rêve. Hein, vous voyez, regardez, on a un personnage que l'on dessine ici. Donc cette substance qu'on lui a vendue n'a été un rêve, hein, pour améliorer son apparence, être plus jeune, plus belle. Et en fait, elle ne s'en sort plus là. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il veut pas me dire. Peut quand même essayer d'avoir un petit indice.
Bon, bah, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, en fait. En tout cas, elle, ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a pris sans savoir ce qu'il y avait dedans. Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans non plus. Elle a pris les yeux bandés, quoi. Ouais, donc elle s'est fait avoir, hein. Alors, qui est-ce qui lui a vendu ça? On va essayer de savoir. Ouais, donc c'est bien toxique, vous voyez? Elle a bien pris un truc toxique, c'est du poison. Mais alors, je ne sais pas qui est-ce qui lui a vendu. Ouais, les sorcières. Bon, bah, écoutez, on lui a refilé un truc pour améliorer son apparence et ça a été l'inverse, hein. Donc, ce sont des gens, des charlatans ou ce genre de choses. En tout cas, bon, elle a pris ça en toute confiance quelque part. Elle n'aurait pas dû faire confiance. Bon, mais on va le savoir, hein. Quelque part, ça va se savoir. Alors, comment est-ce que va évoluer sa santé? Ça, on peut demander. Mais sachant que là, apparemment, c'est un cercle vicieux, on n'en sort pas. On va quand même savoir. On va quand même poser la question. Comment va évoluer la santé de Céline? Ben, il va y avoir un arrêt, hein. C'est la fin de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est la fin de sa carrière, en fait. C'est pas bon signe, hein. Donc, elle va devoir raccrocher, là. C'est ce que le jeu me dit, hein. On va plus être en état de faire des concerts ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux avoir une carte de confirmation? Ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce hibou là derrière? C'est curieux. Je vous dis, elle a pris des trucs qui sont pas catholiques, hein, si je puis dire. Des substances qui sont pas du tout, agréées, en fait, hein. Il y a des gens derrière. Qu'est-ce qu'ils lui ont vendu? Mais moi, je sais pas, mais c'est des drogues, en fait. C'est des gens qui sont cachés, donc des gens malhonnêtes, quoi. Des charlatans, enfin des gens de choses, hein. Donc, arrêt de la carrière. Ouais. Bon, bah, elle va se mettre en retraite, hein. Elle va devoir arrêter sa carrière, pour moi. Vous voyez? Elle va dans la petite maison, là, et puis, bon, elle passe d'un état à un autre. Bon. Bon. Alors, je sais que vous vous demandez si elle a pris la fameuse substance qui commence par un A, qui finit par un chrome. Voilà. Ben, je sais pas, je sais pas. Mais il y a la sorcière. Alors, est-ce que ça peut être ça? On va voir, on va poser la question. Est-ce que c'est enfin, de la dré, machin? Voilà, vous avez compris. Il y a des requins. Alors, il y a des requins. Voilà, les requins, c'est méchant. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est de l'adré machin? En tout cas, c'est une substance qui est très dangereuse. C'est ça que le jeu me dit. Mais c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ce que vous pensez. J'ai pas le oui ou le non là. On va essayer avec le pendule pour voir. C'est pas forcément ça, hein. Ça peut être simplement des substances pour être plus jolie, plus jeune, enfin bref. Et que finalement, ça lui a détruit la santé parce que ce sont des trucs qui sont pas. Agréé, quoi, si vous voulez. Hein, ça peut arriver, hein, qu'on vous vende un produit miracle et puis ça détruit la santé. Ça peut être ça. Donc, j'en sais rien. Donc, on va poser la question. Est-ce que c'est le fameux adré, machin? Je vais le dire dans ma tête. Voilà, donc on va se mettre sur le flacon. Est-ce que Céline Dion a pris ces substances-là? Ce serait dramatique quand même. Hein. Bon, écoutez, je me dis la substance dans ma tête. Il tourne quand même, hein. Il tourne, hein. Si c'est ça, c'est extrêmement décevant de sa part. Ouais. Bon, bah écoutez. Bon, évidemment, il faut en prendre un laissé, on est d'accord, hein. C'est juste un tirage de cartes, hein. Mais quand même, hein, il y a quelque chose qu'elle a pris et qui lui a détruit la santé. C'est pas une maladie normale, je crois pas. Il y a quand même le requin. Bon, vous savez par quoi sont attirés les requins. On va pas trop épiloguer puisque j'ai eu la réponse à la question. Ouais. Puis il y a les sorcières là, ici et puis là. En tout cas, c'est la fin de la carrière de Céline Dion. Voilà. Donc, si vous vouliez savoir, eh bien, ma foi, le jeu me dit qu'elle ne va pas s'en sortir, hein. Il y a le labyrinthe. Et un labyrinthe, on est perdu. Donc je vois pas, je crois pas qu'elle va, que la sa santé va s'améliorer. Et ça va se savoir.
Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tirage. Si vous avez d'autres idées de tirage Open Mind. Alors, moi, j'en ai en tête. Mais j'attends un certain jeu de cartes pour vous le faire. C'est une petite surprise. Voilà. Et bon, alors, à part ce thème que je ne vais pas encore vous révéler pour vous laisser la surprise, ma foi, si vous en avez un autre, eh bien, j'étudierai ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi ce tirage. À bientôt. Au revoir.